Soyez abondamment bénis, chers et précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Il est exactement 18h35 ici à Lomé, précisément au lycée d'enseignement technique et professionnel d'Adido Gomé, où vient de se clôturer la première édition de la mini-convention sous-régionale des dirigeants de jeunes et des étudiants et dirigeants émergents de jeunes et des étudiants d'Afrique de l'Ouest. Un programme qui a porté sur le thème précurseur de victoire, thème qui a été développé par le pasteur Théodore Ndossé, leader mondial de la communauté missionnaire chrétienne internationale, soutenu à cet effet par le pasteur Joseph Ngandeu, leader mondial des jeunes et étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Le pasteur Théodore Ndossé a, dans son message donné le dernier jour de ce programme par visioconférence, invité les jeunes à s'établir comme des dirigeants de relais selon les instructions données par l'apôtre Paul à titre des dirigeants de relais, contrairement aux successeurs qui sont les personnes qui prennent la relève de l'œuvre après le départ auprès du père du dirigeant. Les dirigeants de relais sont ceux qui poursuivent la mission et sur qui les dirigeants peuvent compter pour l'accomplissement du but, bien qu'étant toujours présent. Et le livre de Tite constitue des directives données pour le ministère de Tite. There is a pioneering ministry and there is relay ministry. Il y a un ministère de pionniers et il y a aussi un ministère de relais. In relay ministry, dans le ministère de relais, the younger people walk according to instructions. Dans un ministère de relais, les jeunes ministres travaillent selon les instructions. So that the work can remain harmoniously one. Titus was left these instructions to ensure. On a fait ces instructions à Tite pour qu'il assure le ministère de relais. And to continue the work that Paul has started, not starting another work in a parallel way. Et pour qu'il continue et achève l'œuvre que Paul avait commencée et non commencer une autre œuvre d'une manière parallèle. And one of the things that the apostle Paul urges on Titus. Et une des choses que l'apôtre Paul exhorte Tite à faire is to be a strong relay leader. C'est d'être un dirigeant de relais fort. And that is our commitment to, that's our message to you in this convention. Et tel est notre message pour vous dans cette convention. Be strong relay leaders. Soyez des dirigeants de relais fort. Be strong relay leaders. Soyez des dirigeants de relais fort. Strong relay leaders. Nous avons besoin de dirigeants de relais forts. Strong to encourage. Fort pour pouvoir encourager. Strong to be able to teach. Fort pour pouvoir enseigner. Strong to be able to provide an example. Fort pour pouvoir fournir un exemple à suivre. Strong to provide self-control. Fort pour fournir le compte, pour avoir la maîtrise de soi. Strong. Fort. To defend our ministry. Pour protéger, défendre notre ministère. Strong. Fort. To attest our doctrine. Pour attester de notre doctrine. Strong. Fort. L'autorité. Those are the kind of leaders we need. Voilà le genre de dirigeants dont nous avons besoin. Kind of youth leaders we need. Le genre de dirigeants de jeunes dont nous avons besoin. The Titus kind. Le type de Tite. Le type de dirigeant de Tite. And the work will be done. Et le travail sera fait. The work that Paul started could be completed. L'œuvre que Paul avait commencé pouvait ainsi être achevée. And the work that Brother Zach started, et l'œuvre que le frère Zach a commencé will be safe in your hands. Sera en sécurité entre vos mains et sera achevée. Amen.
que quelques personnes prient. C'est en ces points, entre autres, que nous pouvons résumer le message donné par le pasteur Théodan Dossé. Et au sorti de ce rendez-vous, le pasteur Joseph Ngandeu n'a pas manqué de rendre toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ce rendez-vous qu'il a amené à l'existence et pour le ministère reçu du pasteur Théodan Dossé, qui a été l'orateur principal de ce rendez-vous, soutenu par le pasteur Joseph Ngandeu, à qui nous avons prêté le micro pour faire part de ce qu'il y a à retenir de ce rendez-vous. Écoutons le pasteur Joseph Ngandeu. Je prends cette opportunité pour dire déjà ma profonde gratitude au pasteur Théodan Dossé, sans qui cette mini-convention n'aurait pas eu lieu. Je veux remercier le pasteur Michel Pidabi et toute l'équipe de coordination qui ont travaillé d'arrache-pied pour que nous ayons ce moment inoubliable. Mon satisfaction est grand. Ça a été un moment extraordinaire, un moment révolutionnaire, un moment de transformation inhabituelle. Le zeste sur le gâteau, inévitablement, c'est l'enseignement reçu de notre leader, le pasteur Théodore Andossé, nous baptisant dans la prise du relais, que je le dise comme ça, et nous interpellant tous à nous lever pour répondre aux défis de notre génération, celle de porter la vision dans tous les sens et de l'accomplir. Nous avons pris le témoin, nous y croyons, et nous allons presser de l'avant jusqu'à ce que le témoin soit passé, si Dieu tarde, aux générations à venir. Chaque jeune est appelé à être un dirigeant de relais. Voilà ce qu'il faut retenir en peu de mots. Le modèle à imiter pour être le dirigeant de relais, c'est le modèle de Tite. Voilà très, très simplement dit la quintessence de cette mini-convention. Si je puis ajouter une, deux ou trois choses, il est temps de se lever et d'être efficace dans tout ce que nous faisons. Que les jeunes prennent leurs responsabilités en devenant la force, l'énergie, le carburant de chacune de nos nations dans l'accomplissement du but quinquennal que nous nous sommes donné. C'est donc avec beaucoup de joie que je suis à la fin de cette mini-convention. Mais vous le savez, il y a toujours une, deux ou trois choses qu'on aurait voulu différentes. On recadrera ce qui doit être recadré, mais dans le fond, 12 nations présentes, c'était extraordinaire. Pour un coup de début, si je peux le dire, ça a été un coup de maître. Et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Voilà, c'était à l'instant le pasteur Joseph Ngandeu, leader mondial des jeunes et des étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale, qui, précisons-le, a été celui qui a préparé le chemin du message du pasteur Théodore en disposant le cœur des participants à ce grand rendez-vous à recevoir les directives que le leader mondial avait en vue ce dernier jour de cette mini-convention des dirigeants, des jeunes et étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Le frère Joseph Ngandeu a rappelé dans son message les objectifs du ministère des jeunes de la communauté missionnaire chrétienne internationale et il n'a pas manqué de donner certains points caractéristiques des précurseurs de victoire à partir de l'exemple de l'apôtre Paul qui a été un modèle d'engagement distinct à l'accomplissement des desseins de Dieu et les détails sur le message donné par le pasteur Joseph Ngandeu sont disponibles sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix et sur notre page YouTube CMCI Togo. Et vous aurez l'occasion de suivre l'intégralité de ce message sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix. En termes de statistiques, ce rendez-vous a tenu beaucoup de ses promesses, notant que 12 nations étaient présentes, à commencer par le Togo qui a accueilli ce rendez-vous et le Cameroun constitué du pasteur Joseph Ngandeu et l'essentiel des membres de sa délégation, suivi par
les frères de la Côte d'Ivoire, la délégation du Bénin, du Ghana, du Burkina Faso, du Mali, de la Gambie, du Sénégal, du Nigeria, du Niger et de la Guinée-Conakry. En tout, ce sont près de 900 frères, précisément 873 personnes qui étaient présents à ce rendez-vous venu, nous l'avons dit, de 12 nations. La sœur Alice, responsable du comité d'organisation, nous partage ses actions de grâce au Seigneur pour ce rendez-vous qu'il a amené à l'existence. Écoutons-la. Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes les nations qui ont participé, qui faisaient partie présente de cette mini-convention. Parce qu'il y a d'autres nations qui ont fait du préfinancement, mais qui n'ont pas eu le privilège d'être là. Ils ont cru à cette histoire, ils ont cru que quelque chose va se passer et ils ont donné leur apport. Et nous rendons grâce aussi au Seigneur pour les multiples jeûnes et prières de toutes les nations, que ce soit à partir du quartier général, au Cameroun, dans les nations, les frères ont jeûné, les frères ont prié, les frères ont crié à Dieu. Et nous rendons grâce au Seigneur pour le don du pasteur Théodore Andossé. C'est un rêve. Nous ne nous attendions pas. Nous pensions que la concertation peut-être ne serait pas, on n'aurait pas parlé de ça en fait. Mais lorsqu'il a mentionné cela, nous avons dit nous étions dans les plans de Dieu. Nous remercions le pasteur Joseph Ngandou de tout ce qu'il a mis dedans pour s'assurer que cette mini-convention puisse réussir. Cette mini-convention des jeunes et étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Afrique de l'Ouest a aussi porté les prémices de fruits en termes de conquête des âmes attendues de tous les participants de ce rendez-vous. 28 personnes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ et 443 rétrogrades ont été restaurés dans la foi et 12 personnes ont été baptisées dans l'eau. Joint à ces statistiques en rapport avec l'évangélisation et le salut des âmes, précisons que le Seigneur était présent pour guérir plusieurs frères et délivrer des possessions démoniaques. Et aussi, plusieurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit suite au ministère rendu par le frère Joseph Ngandou, responsable des jeunes et étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Étaient présents à ce rendez-vous plusieurs missionnaires internationaux, à commencer par le dirigeant principal de l'œuvre au Togo, le pasteur Michel Pidabi, qui a rendu ministère au cours de ce programme en rappelant la REMA 2024 donnée par le pasteur Théodore Andossé en début d'année, précisément de la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024. Les principaux points de ce message prophétique ont été proclamés tout au long de ce programme sous la direction du pasteur Michel Pidabi. Le pasteur Koumabé Bossoum, dirigeant principal de notre œuvre au Bénin, était aussi présent et il a soutenu son jeune frère Joseph Ngandou tout au long du ministère rendu à partie des prières visant à soutenir le message donné par le frère Joseph Ngandou et le pasteur Théodore Andossé. Les frères sont sortis de ce rendez-vous certainement bénis et nous avons pu prêter notre micro à plusieurs délégations présentes qui nous font le point de l'impact avec lequel ils ressortent de ce rendez-vous. Nous voulons infiniment dire merci à Dieu pour cette première édition de la mini-convention des dirigeants, des jeunes et étudiants de l'Afrique de l'Ouest. Et comme résumé de ce que nous avons reçu, nous pouvons dire que nous retenons le message du pasteur Théodore Andossé qui a dit que nous avons besoin des dirigeants de relais. Donc, nous avons besoin des dirigeants de relais. Nous sommes des dirigeants de relais selon le modèle de Tite, et qui était un collaborateur de l'apôtre Paul et qui était chargé d'organiser l'église à Crète. Et nous avons été richement bénis par cet enseignement parce que nous avons compris que
L'œuvre qui a été confiée à notre père, le professeur Zacharias Tanifomomu, si elle doit être sécurisée et si elle doit être achevée, cela dépend de nous autres en tant que dirigeants de relais. Nous devons tout mettre en œuvre en entrant dans l'école de Tite. Chacun de nous doit s'inscrire à cette école-là pour que l'œuvre que Dieu a confiée à son serviteur, Zacharias Tanifomomu, soit non seulement sécurisé, mais aussi achevé. Donc le Seigneur compte sur nous, le Père Théodore en dessous compte sur nous pour que nous soyons des dirigeants de relais. Et il y a beaucoup d'autres choses qui ont été dites. Il y a le contenu. Nous devons être forts, forts pour encourager, forts pour avoir du contenu moral, forts pour la maîtrise de soi, forts également pour l'attestation de notre doctrine. Et entre autres, donc, je pars d'ici étant rempli de cette parole. Et pour moi, c'est un défi. Nous partons tous en Côte d'Ivoire avec la pensée que nous devons relever le défi en tant que des dirigeants de relais. Nous partons pour communiquer ce que nous avons reçu à tous nos frères qui sont restés à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Et nous croyons que quand nous reviendrons l'année prochaine, il y aura des résultats palpables. Que le Seigneur soit béni. Amen. My name is Elvis Mandé. I'm from Ghana. I think this convention was packed full of the presence of God. From the beginning, it was clear that God was with us. And all I can say is that a revolution has begun. And I can say with certainty that we are going back to our nations to set the different nations ablaze. A revolution has begun. I know that from what Pastor Theodore shared with us, the Lord is looking for relay leaders. I am very, very certain that the Lord will find them in the different nations of West Africa. God bless you. Nous rendons toute la gloire au Seigneur et nous bénissons son nom pour tout ce qu'il a accompli au cours de cette mini-convention sous-régionale des responsables des jeunes et étudiants de la CMCI en Afrique de l'Ouest. Restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix pour avoir de plus amples informations sur ce grand rendez-vous, duquel vous aurez l'occasion d'avoir le message intégral sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix et également sur la page YouTube CMCI Togo. Que Dieu vous bénisse et bonne suite de programme sur la chaîne de la Bible.